Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec grand plaisir que nous retrouvons à nous pour parler de cuisine, notre pays, La Réunion. Aujourd'hui, il va parler des courgettes et m'y rappelle aussi que les recettes que m'y fait, c'est des recettes de saison, des fruits et des légumes que nous pouvons trouver tous les jours dans notre pays. Et la courgette, c'est une affaire qui n'est pas mauvaise du tout. C'est en préparation, hein, parce que la courgette lui-même, c'est un produit qui est fade, mais avec les épices, il n'est pas mauvais du tout. Il est très, très, très bon. Nous fait aujourd'hui une salade de courgette en coupant les courgettes en lamelles comme Zotivois à l'écran. Et nous met pas la partie l'éponge que Nena dans le milieu. Alors, Nena a plusieurs façons. Nena, il fait la courgette aussi à la façon d'un rogaillement. Alors, moi, on l'a fait de cette façon-là, mais il peut faire de l'autre façon, comme des mangues battues, qui enlèvent la partie centrale, qui coupent en dés et qui mettent dans le robot, qui fait tourner même pas 30 secondes, comme des mangues battues. Alors, la courgette, ce qu'il faut faire, quand vous faites la salade, comme moi, je suis en train de faire à terre là, il faut laisser dégorger, c'est-à-dire nous prenons un poignet de gros sel, nous mélange à l'outil doucement, la même la mélange un petit peu brutalement, mais normalement, je vais mélanger doucement même, de façon à ce que l'y rende son lot, parce que sinon, quand je vais mettre les épices dedans, ce sera complètement, fait bon peu de l'eau, un peu comme concombre. Un concombre aussi, il faut faire dégorger. Là, nous, on n'y dégorge pas pour le concombre, parce que le concombre, en règle générale, nous, on aime bien le petit sauce, le petit jus, les nattes dedans avec piment, pas rose dessus, notre plat. Voilà, les courgettes, nous la égorge à lui bien, nous la bien mélanger. Et quand on a fini bien égorger ça, nous voit le jus de l'eau qui coule dedans, nous rince à lui bien, surtout bien rincer. Parce que, comme on a dégorgé avec le sel, il y a quand même pas mal de sel dedans et il risque d'être désagréable pour manger si ça n'a pas bien lavé et surtout laissé égoutter. Nous allons utiliser des oignons, un oignon en dedans que nous allons achaler finement. Nous allons utiliser aussi de la coriandre, bien bien coriandre, hein, un petit goût extraordinaire, je dirais. Coriandre, nous peut mettre ça aussi dans le rocaille tomate, dans bon peu curry masalé, dans bon piment, tout ça. On aura l'occasion de faire bon piment pour atteindre ces quatre. Alors donc, quand on a fini, nous mettre les oignons dans le bol, nous mettre la coriandre, nous ajoute de l'huile, nous ajoute du vinaigre à l'intérieur et nous ajoute aussi le piment et le sel. Nous mélange bien. Alors dans cette recette-là, ce qu'il faudrait faire, c'est laisser la petite vinaigrette que nous l'a fait bien reposer, de façon que les oignons, la coriandre, tout ça, y imprègne bien, y infuse bien ensemble, et que les oignons n'ont le temps de cuire un peu dans le vinaigre. Quand on a fini ça, voilà la préparation, il a fini cuit. Nous ajoute les lamelles de courgettes que nous avons pris soin de bien rincer, m'y rappelle, hein, parce que nous allons mettre de sel dedans pour dégorger, bien rincer et bien égoutter. Nous prenons une cuillère avec une fourchette ou deux fourchettes, nous mélange. Sinon, si vous êtes la papier à piment qui brûle votre doigt, vous êtes mélange à lui à la main, petit doucement, bien macéré. Et les affaires, les bons pour être consommés. Une recette que nous consommons surtout dans la chaleur, quand il fait chaud, un peu comme la salade mangue que nous l'a fait n'a pas trop longtemps, que m'invite Azote à aller regarder sur notre chaîne. Alors, le salade de courgettes, un peu comme il disait tout à l'heure, comme salade concombre. Alors, nous pouvons manger lui avec un caripois, nous pouvons manger lui avec un rougail saucisse avec du riz. Nous pouvons manger avec pas mal de choses. Et surtout, c'est un légume qui ne fait pas grossir et lui est surtout pas cher. Voilà, l'émission l'a fini. M'y remercie Azote d'avoir suivi ça. M'y dit Azote, bon appétit. Tiens beau serré, largue pas. N'y retrouve pour la prochaine fois.